Par ici, on donne le Maïté pour plonger dans le Tsuki. On ramène. Allez, Maïté Tsuki dans le Tsuki. Alors le cours d'aujourd'hui, c'était basé sur la technique de point en avançant. Voilà, parce qu'il y a toutes sortes de techniques de point. Là, on s'est basé spécialement sur une technique de point qu'on appelle Otsuki, une attaque de point en avançant. Après, j'ai basé des thèmes là-dessus. Donc voilà, comme chaque cours, je base des thèmes sur une attaque précise. Okay. Aujourd'hui, le thème, c'était justement sur cette technique de point, avec des jambes et avec éventuellement des projections. Allez, plus fort. Je rentre, c'est bien de se protéger, il va enrouler. Lui, il faut qu'il soit vraiment dans son combat. Ce qui est important, c'est qu'il soit vraiment dans son action. Stop. Reste protégé. 1, 2, 3, 4, ça s'est bien passé, puis à la fin c'était les sparring, donc les randori typique des arts martiaux. Et puis là, on a pu voir ce qui apportait vraiment le karaté dans une vision purement MMA en fait. Et c'était, j'étais étonné en tout cas au niveau de la distance, du jaillissement. C'est une pratique qui demande beaucoup de rapidité et de précision avec de la concentration et puis une espèce d'absorption des coups pour mieux contrer en fait. Donc il y a toujours ce même esprit de sortir de l'axe comme en boxe pour mieux toucher l'adversaire. Et j'ai été agréablement surpris par la rapidité d'exécution qu'il faut et puis le savoir-faire surtout de Daniel, parce que quand on est avec lui, on progresse beaucoup au niveau de la technique et puis il y a une correction immédiate en randori à la fin du cours. Après, il faut accentuer, par exemple sur des stages de karaté MMA, c'est accentuer les techniques bien précises, adaptées un peu plus au MMA, mais en fin de compte, on retrouve pas mal de choses qu'on retrouve dans les cours. Ouais, ça change par rapport à ce que je fais d'habitude, mais pour le MMA, c'est une bonne recherche parce que ça peut permettre d'avoir cette distance de karaté et cette précision, parce qu'on sait qu'avec les mitaines, il n'y a pas besoin d'avoir forcément de puissance pour faire tomber l'adversaire, surtout quand on y met la précision et qu'on arrive à avoir soit la tempe, soit le menton, la mâchoire. Boum, 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 ça remonte, hein. Yeah!